Erita Kapikura est originaire de Ho, au Tuamotu. Sa sœur projette de régler une affaire de terre au tribunal. Aujourd'hui, c'est 5 ans d'attente minimum. Or, la famille se déchire déjà. Pas moi, mais l'autre sœur, le sœur que je suis en train de parler au téléphone, c'est elle qui discute trop avec l'autre sœur, là, moi. Voilà. Ça fait combien de temps que ça dure? Il y a, je ne sais pas, plusieurs, ça fait longtemps. Depuis le temps qu'on en parle, le tribunal. Ouais. Venir à bout des problèmes d'indivision, l'ambition du tribunal foncier qui prend vie à la place de l'ancien dispensaire des Tuamotu Gambier, à côté de l'ancien hôpital Vaiami. 1, 2, 3. Voilà. C'est une réalisation qui simplifiera la vie de non seulement beaucoup de Polynésiens, mais qui permettra un développement économique qui aujourd'hui est entravé par ces difficultés. La rénovation a débuté fin janvier, 10 mois de travaux pour une mise en service début 2018. La structure était saine, donc on pouvait la réutiliser, étendre un petit peu pour réaliser cette salle d'audience de 50 places. On vous a récupéré ce bureau de haute lutte. Pour notre clientèle, c'est surtout des personnes âgées, quoi, pour qui leur dossier de terre, c'est le dossier de toute leur vie. Donc pour eux, je pense que ça sera important d'avoir des locaux comme ça. Nous mettrons les moyens humains pour faire fonctionner ce tribunal. Ils étaient dans le contrat d'objectifs et de moyens, qui s'arrête en 2018, mais nous irons au-delà. Et même d'ailleurs dès cet été, je vais affecter un conseiller spécial à la cour d'appel pour renforcer les équipes. Mais il faut lancer maintenant la réforme de fond. Réformer le code de procédure civile, la balle est dans le camp du pays. Mais l'État a aussi des réformes du code civil à initier. Le rapport Pastorel propose des solutions. Je pense que tout le monde a intérêt, le plus grand intérêt, à voir aboutir les litiges fonciers et à régler des situations inextricables qui parfois durent depuis des décennies. Seul le tribunal de Papeete aura compétence pour statuer en matière d'affaires de terre, mais des audiences foraines seront possibles à Raiatea et Nukuhiva. Les syndicats demandent la création de postes supplémentaires sur place.